Hey. Troisième jour pour moi et aujourd'hui attention, ne rigole plus puisque là on va pouvoir être sur la scène en gros pendant les 4 premiers jours de répétition. On voit les répétitions des artistes dans le centre de presse que je vous ai filmé. On est avec un grand écran, c'était comme au cinéma, c'était vraiment sympa. Mais bon, rien ne vaut quand même de voir ça sur scène en direct. Et donc aujourd'hui je vais vous montrer la scène de cette année. Et aussi j'avais envie de vous montrer un petit truc aujourd'hui. Cette année il y a un truc qui est super cool, c'est qu'on a une petite application qui nous dit les petites nouveautés du jour. Et en vraiment c'est hyper galère de vous montrer l'application tout seul. Assistant. Et en gros t'as un petit calendrier par exemple ici qui te dit ah bah tiens on est quel jour, on est le Thursday. Et là on peut voir ce qui nous prépare aujourd'hui. Donc comme je vous ai dit c'est les répétitions sur scène. On va commencer avec l'Azerbaïdjan, l'Islande, l'Albanie. Tu sais tout par exemple s'il y a un imprévu, bim tu le sais dans les news. Franchement c'est cool. De toute façon comme je l'ai dit hier on m'a demandé qu'est-ce que je pensais de voilà de l'Eurovision, des backs stage etc, comment c'était. Et en fait quand je leur ai dit j'ai l'impression d'être à Disney quoi, parce que c'est vraiment grand, il y a plein de petites salles partout, avec l'application aussi, j'ai vraiment l'impression d'être à Disney quoi. Bon, sauf que là il n'y a pas Mickey. Il est... Déjà, ah, par contre, c'est vrai que c'est petit, quoi. Quand on va à Théon, on a l'impression que c'est super grand, que c'est immense, mais en fait, c'est tout petit. Mais c'est trop beau. La lumière, elle est super jolie. Quand là, je m'attendais à plus grand, mais c'est stylé. Ça fait trop bizarre, là. En fait, j'ai du mal à me dire que là, je suis sur la scène de l'Eurovision. Enfin, pas sur la scène, mais dans le public, quoi. C'est trop bien. Margot. Elle fait trop chaud d'être sur la scène. En vrai, voir la scène en vrai, ça fait bizarre. Elle est grande quand même. Hein. Je la trouve petite, moi. Ah ouais? Voilà. C'est un truc de ouf. Ça commence. Ce que vous voyez là, les petits canapés, c'est la green room. C'est là où les artistes ils attendent après avoir fini leur prestation sur scène et où ils vont regarder les copains passer et puis stressés surtout, boire du champagne et puis attendre les résultats. Et stressés encore. Bon Margot, t'as aimé la République tchèque ou pas? Ah bah ouais, bien sûr. Ce que vous voyez là, ce sont les cabines des commentateurs pendant les premières demi-finales, deuxième demi-finale et la finale. C'est ici qu'il y aura les commentateurs, dans les petites cabines là. Music in 5, 4, 3, 2, 1, go. Ouch. Ouch.